L'année 2022 se déroule merveilleusement bien pour François Hollande. Il y a quelques semaines, il a surpris beaucoup de monde lorsque son mariage avec Julie Gayet a été rendu public. Samedi 4 juin 2022, l'ancien président de la République a en effet dit oui à sa compagne depuis 8 ans. Une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait et les internautes veulent désormais en savoir davantage. L'un d'entre eux a tenté dans les commentaires d'une publication de Valérie Trierweiler. Sur celle-ci, on peut la voir en compagnie de l'homme avec qui elle partage sa vie, Romain Magellan. Tous deux portent des chapeaux et le cliché semble avoir été pris durant la canicule. Au mariage de François Hollande, lui demande un abonné. Quel humour! Ça doit être la chaleur! Répond simplement la principale concernée. Ce à quoi l'homme en question rétorque, n'y voyez aucune méchanceté mais quand je vous vois si rayonnante. Ce petit trait d'humour m'est venu spontanément. Et vous n'avez pas perdu au change. Ce n'est donc pas auprès de Valérie Trierweiler que les internautes pourront obtenir des informations. Pendant plusieurs années, Valérie Trierweiler a partagé la vie de François Hollande. Leur relation s'est terminée en janvier 2014 lorsque les infidélités de l'ancien président ont été dévoilées au grand jour. Sur des images explosives, on pouvait le voir descendant d'un scooter, rue du Cirque à Paris, juste devant l'appartement de Julie Gayet. Quelques jours plus tard, c'est François Hollande qui avait pris la parole, annonçant officiellement la fin de sa relation avec Valérie Trierweiler. Je fais savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trierweiler, pouvait-on d'abord lire. En 2018, il était revenu sur cette histoire dans son livre Les leçons du pouvoir et avait fait quelques révélations. Julie Gayet est entrée dans ma vie. Notre relation fut révélée dans les pires conditions, pour ma personne et pour la fonction, disait-il, avant d'assurer en porter la responsabilité. Il avait également évoqué son ancienne compagne qui avait été très impactée. Le choc fut rude. Valérie en fut profondément meurtrie. Notre séparation et les conditions de son annonce à laquelle elle n'a pas voulu s'associer ajoutèrent à la cruauté de la situation, avait-il assuré. Valérie Trierweiler, comment avait-elle réagi à l'annonce de la liaison entre François Hollande et Julie Gayet? Les faits remontent à 2014 mais ils ont marqué les Français. François Hollande, alors président de la République, a révélé qu'il se séparait de sa compagne de l'époque. Un fait particulièrement bouleversant pour Valérie Trierweiler, alors première dame. La nouvelle avait eu l'effet d'une bombe pour la journaliste qui s'était fait hospitaliser immédiatement. Par la suite, elle avait fait savoir dans son ouvrage Merci pour ce moment qu'elle avait pensé à se suicider. Je craque, je ne peux pas entendre ça, je me précipite dans la salle de bain. Je saisis le petit sac en plastique qui contient des somnifères, avait-elle écrit. Aujourd'hui, Valérie Trierweiler a retrouvé l'amour dans les bras de Romain Magellan.